Je suis Jean-Marc Bourg et je dirige les éditions Faï Fioc. Je suis ici pour vous présenter un livre qui s'appelle Instantanés. Il est de Didier Henry, publié donc aux éditions Faï Fioc, et il a été sélectionné pour La Voie des indés 2017. Les éditions Faï Fioc ont 3 ans, sont encore toutes jeunes, et elles publient de la poésie contemporaine, de façon colorée, comme vous pouvez le voir à peu près ici, des petits livres simples et que j'ai voulu, pas très cher, de poésie d'aujourd'hui, avec parfois quelques rééditions de livres de poètes d'aujourd'hui, mais qu'on ne trouve plus, des livres qui ont été publiés il y a déjà un certain temps et qui sont inaccessibles. Le recueil de poèmes instantanés, c'est un recueil de poèmes qui ont la même forme à peu près. Il y a un certain nombre de vers, je crois me souvenir qu'il y en a 14 dans chaque poème. Il a voulu une forme fixe comme ça, en revanche très libre à l'intérieur. Il y a des vers courts, des vers longs, et ce sont à chaque fois des sortes d'extraits, de rêveries et de moments de la vie. Je pense qu'il a toujours marché, voilà. Il a toujours marché, que ce soit dans les campagnes d'Ardèche, que ce soit dans les banlieues parisiennes. Et sa poésie, elle sent ça, elle sent l'odeur des feuilles en décomposition l'automne, elle sent les gaz d'échappement des voitures qui le doublent dans le périphérique, elle sent tout ça, voilà. Et ça, c'est joyeux, c'est agréable à lire. Je vais vous en lire un déjà pour commencer. Ça s'appelle Hécatombe. Ville déserte, seul gain tangible des congés haussiens, le silence. Hélas, uniquement dominical, vu que lundi, les travailleurs noirs attachés au marteau-piqueur reprennent le joug sonore et lancinant, je dirais sol dièse. Dans la chaleur du goudron liquide sous le ciel d'orage, la rue tremble et fume, tel un dieu comblé, le citadin désœuvré, baguette et journal en main, hume, l'odeur d'enfance. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de musique, et qui, de jazz essentiellement, qui joue du saxophone, et qui est très sensible à tous les sons, à toutes les musiques, à tous les bruits qui passent, et de tout ça, il fait éponge des images qui passent sous ses yeux, des sons qui passent dans ses oreilles, tout ça, il les capte. Et le livre, je vous le rappelle, s'appelle Instantané. De tout ça, il prend comme des photo. Il arrête le temps pendant quelques secondes comme ça, et de ses multiples impressions, il fait un tissage. Il garde le son, il garde l'image, il garde plein d'impressions, même des impressions personnelles, des humeurs, des sentiments. Et tout ça forme un tricot avec différentes couleurs, et ça fait un petit poème. La promenade, c'est pas la tranquillité, c'est au contraire l'éveil à ce qui peut advenir. Je pense que Instantané raconte quelque chose comme ça, sous une forme de suite de poèmes de 14 vers qui s'appelle Instantané, aux éditions Faï Fioc, pour la modeste somme de 8 euros.